Bonjour, dans cette vidéo suivante sur l'anatomie des plantes, je vais vous montrer comment on reconnaît dans une coupe transversale qu'on reconnaît une feuille de monocotylédone et une feuille de dicotylédone. Dans le cas de la feuille de dicotylédone, il n'y a qu'un seul endroit où vous avez les vaisseaux de xylème et de phloème. Ici, c'est dans la nervure principale. Lorsque vous êtes dans le cas d'une monocotylédone, la feuille peut être plate, mais elle peut être aussi en forme de V. Vous avez toute une série de petits vaisseaux vasculaires qui sont répartis partout. Donc c'est la façon de reconnaître les deux. Donc si vous avez plein de petits vaisseaux, c'est une mono. Si vous avez un seul endroit avec tout le xylème et tout le phloème, c'est une dicotylédone. Merci.